Deux gang! Bon! Aujourd'hui, un long petit ficus. Ficus Tiger Bark. Monté sur une roche, genre. Donc, un style vraiment penché. Vous voyez l'arrière de l'arbre. Donc, c'est un arbre que j'ai fait au complet. Ça fait longtemps. J'ai donné une shape. J'ai souvent expliqué dans mes vidéos. Bouture que j'ai mis, probablement, si je me rappelle bien, une branche, simplement. Un pot de culture, une branche, on wrap alentour, juste donner une belle shape à la base, vite, vite. Souvent, on va voir dans les vidéos que les gens vont prendre un fil à ligature, tout simplement, puis tu piques dans le pot, puis tu twists, tu donnes une forme, puis je le montre, je l'ai montré dans mes dernières vidéos aussi. En ce cas-là, c'était encore plus simple, je crois. Ça dépend ce qu'on a, ça dépend, regarde comment c'est. Souvent on travaille en quantité ou vite vite sur le coin d'une table, il te manque justement tes broches. Fait que ce que tu fais, tu pognes, j'ai juste un petit bout de broche sur un arbre, pif paf, ben, une branche dedans, puis on entoure ça, donne une twist à l'entour de l'arbre, puis on vient juste le pogner en place. Tu laisses une saison, après la saison, justement, tu peux enlever ta ligature, pas ta ligature, mais juste ta broche dans le haut pour la tenir en place. Puis la shape plus ronde va tenir. Donc, c'est un arbre de même. J'avais donné un mouvement à la base. Vous voyez quand même un mouvement qui est intéressant. Puis, j'ai fait quelques coupes, sélectionné des branches, laissé aller. On voit que ici ça a déjà été coupé. Donc, ici aussi. Donc, c'est une sélection naturelle que j'ai faite. Les branches qu'on garde, c'est les branches à l'extérieur, les branches à l'intérieur. Comme vous voyez ici, là, ben, j'ai fait un choix. J'ai gardé celle qui était au-dessus parce qu'elle était plus basse. Donc, j'ai créé un palier ici avec les années. Puis, je sais pas, j'ai mis une roche ici qui doit être plus creuse en terre. Je me rappelle pas les détails au complet. Mais vous voyez comme le néberry commence à être intéressant. Les racines sont quand même assez massives. Donc, c'est ça, on voit mieux par l'arrière ici, la shape. Une belle shape intéressante. Donc là, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais venir le retravailler avec vous. Puis, ce que je vais faire ici, il va falloir que je réduise beaucoup le feuillage. Comme je dis toujours dans mes vidéos, j'explique 2 feuilles, 4 feuilles, 6 feuilles. Quand l'arbre est un peu moins vigoureux, c'est souvent le cas à l'intérieur pour la plupart des gens. Les producteurs ou les gens à qui on parle, souvent les techniques qui expliquent, c'est des techniques dans les meilleures conditions. Donc, si tu as une serre de 1000 pieds carrés avec des arbres, tout le kit, avec regarde, une super lumière, t'as pas la même chose qu'à l'intérieur. Même avec des lumières comme ici que j'ai, hein, c'est difficile. Tu sais, tu peux pas avoir 1000 watts de lumière pour un arbre. Ça ferait la même chose. Mais 1000 watts de lumière pour un arbre, pour, mettons, un 4 pieds carrés, là, tu mets, je sais pas, au moins 4, 5, 6 arbres, 1000 watts, c'est parce que ça te coûte 50 piastres par mois pour avoir, justement, pour l'électricité, juste pour ça. C'est pas la même affaire que ceux qui ont des serres. Donc, nous, on est en carence. C'est parfait. Ça pousse très bien. C'est peut-être pas 100% comme quelqu'un qui a une serre. Donc, c'est souvent ça l'affaire. C'est la petite différence qu'il y a entre nous puis les personnes qui font du bonsaï de manière récréative puis les professionnels. C'est sûr, quand tu as une serre, c'est différent. Donc, c'est ça. Quand ton arbre est au max ou quand c'est l'été. Quand c'est l'été, c'est la période optimum. Donc, ça pousse plein. Donc, l'été, vous pouvez vraiment dire 2, 4 et 6 feuilles sur chacune des branches. Ou branches secondaires, tertiaires ou whatever. Quand tu es rendu à des petites, petites branches, si je veux garder cette branche-là, j'ai besoin de 4 feuilles. Si je veux garder juste la grosse ici, j'ai besoin de 4 feuilles au total pour garder cette grosse branche-là. Mais le but, c'est de garder chacune de ces branches-là. Donc, tu prends branche par branche, tu calcules 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 feuilles, tu coupes. Puis juste cette quantité de feuilles-là ici est nécessaire, pour faire survivre cette branche-là. Pourquoi 6 en bas? Parce qu'il y a moins de lumière en bas qu'en haut. Quand vous taillez, il y a toujours plus de vigueur à la tête qu'en bas. Là, ça paraît pas sur cet arbre-là parce que mes lumières, ils bougent. Donc, mon ombrage bouge aussi, comme le soleil. Donc, c'est un petit peu différent. Mais en général, si ton arbre est toujours statique avec la même lumière au-dessus, vous allez voir, vous le savez. J'ai pas besoin d'expliquer ce détail-là. Vous l'avez déjà tout remarqué, j'en suis sûr. Aux branches en haut, ceux qui sont sur le bord de la lumière, ça pousse. Les feuilles, ça pousse, sont super belles, sont plus grosses. Puis en bas, c'est un peu plus chétif. Donc, c'est ça. Ça fait partie de la game, c'est comme ça. Puis quand c'est à l'intérieur, j'aime mieux dire, gardez un peu plus de feuilles. Allez-y de manière un peu plus
même si vous n'êtes pas sûr, là, moi je dis 2, 4 et 6, mais vous êtes peut-être mieux. Moi-même, j'utilise 4, 4 et 6 souvent si mes arbres sont pas top shape, comme on dit. Mais si vous n'êtes pas sûr, mettez 6, 6, 8 si vous voulez. C'est juste que avant la ramification, elle va être un peu plus longue. Mais c'est mieux ça que de laisser aller pendant 2 ans de temps et de tailler comme lui. Il n'a pas été taillé, ça fait longtemps. Je dis 2 ans, c'est pas 2 ans, mais ça fait un bon petit bout. Donc, c'est ça. Donc, un peu d'explication avant. Donc, c'est ça, je fais un petit 360 avec vous autres. En fait, je vais faire une vidéo, zoomer vraiment sur l'arbre. On va lever ma tronche de vidéo. Fait que je vais faire un zoom de cet arbre-là, 360. Et après ça, je fais un petit hyperlapse. Je vais tailler ça avec vous autres. Puis, je vais le former un petit peu. Mon but ici, là, on voit que j'avais fait une sélection. Regardez cette tête-là, la laisser grossir. Mais on voit qu'il n'y a pas optimum. Là. La branche ici, elle s'en vient vers moi. Puis elle s'en va en arrière, qui est la tête. Le but, c'était une petite branche. C'était de faire épaissir ici. Donc, peut-être ça fait 1 an, 2 ans qu'il pousse. Là, il est encore assez flexible. Ce que je vais faire, je vais le plier. Puis vous voyez, regardez, je vais simplement le plier puis l'amener ici. Puis ramener cette petite branche-là. Regardez, vous pouvez voir déjà ce que ça va donner comme résultat. Puis je vais enlever quelques branches ici qui empêchent de voir le tronc correctement, qui cache un peu la silhouette. Peut-être qu'éventuellement, il faudrait qu'il soit rempoté un petit peu de manière différente, un peu plus la façade, ouais, un petit peu plus en angle. Donc, le pot, comme vous voyez présentement de même, il faudrait que ça soit un petit peu plus comme ça. Donc, ça va être au rempotage éventuellement. Ça ne me tente pas de faire un rempotage présentement sur cet arbre-là. Le but, c'est juste de tailler. Rempotage va attendre. Donc, prochaine étape, un autre tantôt. On va faire ça. Donc, je commence ça. Bon, petite taille terminée avec une petite ligature partielle, donc c'est pas partout. Comme j'expliquais, mon but c'était de replacer la tête comme il faut, petite twist, petite réorientation, tailler pas mal la tête, laisser la quantité minimum requis pour que la tête puisse bien se développer. Donc à part ça, il va rester cette section-là ici, je veux ramifier, ça va être, il faut tout que je ramifie. Et cette section-là ici est un petit peu trop longue, donc je veux la rapetisser. Je n'ai pas le choix de garder à peu près 6 feuilles ici. Éventuellement, elle va rapetisser, il va y avoir des bourgeons qui vont sortir plus bas. Donc, rapetisser, avoir probablement un palier plus ici, donc un peu plus proche. Donc, dégager lui un peu plus en arrière. Même chose ici aussi, j'ai coupé quand même pas mal. Donc, je suis au minimum pas mal, donc on va laisser aller. Puis éventuellement, donc ça ramifie de plus en plus. Puis fait qu'on va faire les paliers, justement descendre ça pour avoir notre triangle plus qui suit un petit peu plus.
Mais on n'a pas juste respecté l'arbre. L'arbre n'est pas parfait, mais il va se ramifier tranquillement, pas vite. De plus en plus de branches. J'ai coupé des branches qui se croisaient. Il y en a encore quelques-unes, mais j'ai pas le choix. Il faut que je lui laisse un peu la chance. Donc, faut que je laisse un peu de feuillage pour tirer son énergie. Là, au moins, je vous avais vu, j'ai taillé le feuillage aussi. Ça permet justement de. Souvent, on va avoir du feuillage beaucoup plus gros en haut qu'en bas aussi. En taillant le feuillage un petit peu, c'est plus esthétique, premièrement. Puis deuxièmement, ben ça répartit un peu plus l'énergie. Donc, puis les ficus, il faut les tailler, il faut y aller quand même assez drastiquement parce que c'est sont lâches un peu, ils veulent moins émettre de ramifications en arrière. Ça ramifie super bien, mais en les forçant un petit peu plus, là, ça les aide. Des fois, j'ai coupé un petit peu plus qu'est-ce que je disais de 2, 4 et 6. Ça arrive, on taille en premier vite vite, puis après ça on regarde, puis souvent on va voir des petits bourgeons. On voit la tête ici entre la feuille qui est ici, là, le restant de feuille plutôt. Il y a un petit bourgeon. Donc ce bourgeon-là, c'est pratiquement une nouvelle branche qui est prête à sortir. Donc dans ce cas-là, j'aurais pas besoin de garder autant. J'en laisse un petit peu plus, c'est pas grave. Donc c'est exactement ça. Donc c'est pas mal ça mon projet pour aujourd'hui. Donc je vais vous présenter ça. Un beau petit arbre d'une forme un peu différente. Ficus qu'on voit pas souvent dans cette forme-là. Donc, je trouve quand même assez sharp. Donc, c'est ça, c'était mon partage du jour. Donc, je vais vous faire un autre petit 360 pour vous permettre de voir l'arbre produit final. Donc, sur ce, bonne fin de journée.